Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa anahera soroki ama shokere kaere baraya ikramu kadana. A'ouzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. N'est-il pas vrai que les moyens de la nouvelle technologie ont-ils rendu plus efficaces les acquis de l'homme, notamment dans le domaine des déplacements, de communication et dans le traitement de l'information? Mais combien, oh hélas, observons-nous à ce dernier cité, à la crise de la vérité, au déclin de la vérité sur les réseaux sociaux et dans les médias? Chers téléspectateurs francophones, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vous êtes sur la MTA Africa et vous suivez CEL Nouveau. Pour ce qui est du sujet du jour, vous l'avez déjà deviné, il s'agit de la recrudescence des fake news sur les réseaux sociaux et dans les médias. Avec nos invités, nous développerons ce fait. Assalamu alaikum, chers invités. Wa alaikum salam. Monsieur Abdelrahman Ouattara. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Fake news dans les médias et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, est à la une. Alors, monsieur Chérif, qu'est-ce que un fake news ou une fake news? A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Merci monsieur Diaby pour cette question. Il faut dire que la question des fake news depuis 2016 a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Si nous voulons traduire le mot ou l'expression fake news, ça veut dire simplement que, en français, ça veut dire les informations truquées. Ce sont ces informations truquées. D'accord. Qui parfois sont présentées comme des informations crédibles et traitées de manière professionnelle, qui serait même difficile pour un esprit averti de savoir si c'est une information vraie ou une intox. D'accord, merci. Missionnaire Ouattara, tout à l'heure, Chéri vient de dire que c'est de fausses informations. Donc, en se basant sur cette base, en se basant sur la fausseté de l'information, quelle est la place des fake news dans le domaine religieux? Alhamdulillah, nous vous remercions, M. Diaby, ce que le Saint-Coran va nous dire, comment on doit transmettre les informations. D'accord. Je pense que c'est cela qui est fiable. On va dans le Saint-Coran, dans la sourate 17, verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: « Wala taqif ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. » La tradition est la suivante: ne suis pas ce dont tu n'as aucun savoir. Faut pas parler quelque chose que tu n'as aucune information. Ah, il paraît que on dit que toi-même tu n'as même pas des informations sûres. L'islam te met catégoriquement, faut jamais le faire. D'accord. Des informations sans savoir. En vérité, l'oreille et l'œil et le cœur, on leur demandera à tous de compte. Donc si tu sais toutes les facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, Dieu va leur poser la question: ce que les yeux ont vu, ce que les yeux ont entendu, ce que le cœur même a tamisé, a prouvé, Dieu te demande le compte. Donc avant de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit, il faut avoir des enseignements, des preuves palpables avant de transmettre. Voici ce que l'islam nous dit dès au départ. Alors, monsieur Chérif, oui. Oustaz Abdelman vient de dire que le Coran condamne catégoriquement l'usage de fausses informations. Oui. C'est-à-dire la véhiculation de fausses informations. Oui. Alors, comment ces fausses informations sont-elles véhiculées? Effectivement, merci M. Diaby. Les informations dites relevant des fake news sont véhiculées à travers des médias. Des médias, parfois des médias D'accord. crédibles qui ne vérifient pas ces informations avant
de les publier. D'accord. Et là où on les voit à tout moment, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux, même sur la toile, que des Facebook ont eu vraiment de... Ils se sont rapidement propagés dans tout le monde entier aujourd'hui. Et il y a un expert qui a fait des recherches sur les Face News. D'accord. Il a travaillé sur la question pendant un mois. Et pendant un mois, le mot a été employé 3,1 millions de fois. Wow. Sur les réseaux sociaux. Énorme. En un seul mois. Pour dire l'ampleur, pour montrer l'ampleur des fake news aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc ça fait que aujourd'hui, ces fake news sont utilisées pour faire du buzz. Okay. Pour faire du buzz sur la toile, sur les réseaux sociaux. Buzz, c'est faire parler de quelqu'un, faire parler de quelqu'un. Ça peut être négatif aussi, voilà. Ou bien ça peut parler de quelqu'un pour nuire à une personne. Okay. Voilà. Mais ces informations ne sont pas vraies. Okay. Voilà, ce sont de fausses informations. Donc, M. Abdelrahman, ce qui véhicule, en fait, tel que Chéri vient de le dire, ces fausses informations, j'ai une intention. C'est-à-dire, puisque déjà avec nous, c'est des fausses informations qui sont délibérément propagées. Donc, ces intentions peuvent être dans le but de nuire une personne ou dans le but de rechercher forcément quelque chose. OK? Mais comment cela peut impacter la vie des citoyens? Alhamdulillah, cela peut impacter la vie des citoyens. Comment? Mais lui, il cherche des moyens pour faire passer son message. Voilà. Voilà pourquoi d'emblée, comme j'ai dit, vous avez donné un verset coranique, mm-hmm. quand on regarde la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple, Daou Kila Wakala. Méfiez-vous, on dit qu'il paraît que. D'accord. Méfiez-vous. Justement, voilà. Monsieur Ney, oui. Dans la vie de l'islam, par exemple, dans le, qu'est-ce que cela a eu comme un effet? Oh, alhamdulillah. Est-ce que ça a déjà eu bien des répercussions sûr, dans... Bien sûr, monsieur Sabi, bien sûr. Par exemple, notre mère, Aïcha, radiallahu anha, ils ont donné des fausses informations. Sur le prétexte qu'elle n'était pas une femme de bonne moralité. Naouzoubillah. Qu'elle a trompé son mari. Donc, dès que les neveux sont partis, quand la parole sort déjà, c'est parti. Si, si. Bon, chacun se méfiait d'elle. La seule personne qui la croyait, c'était sa servante. Même son mari doutait d'elle. C'est une logique. Mm-hmm. On ne peut pas venir te dire que moi, ta femme t'a trompé et puis tu vas te sentir à l'aise. Mm-hmm. Voilà. Donc, comme cela a été dit, mm-hmm. le prophète aussi, il a pris de recul, il recule un peu. Il ne parle pas. Comme la manière de s'amuser avec elle, voilà. Donc, ça partait. Jusqu'à ce que le Saint-Coran même vient à blanchir cette bonne dame. Pour dire que non, ce sont des rumeurs. Donc, si cela a été notre chère maman. Aïcha a été touchée par ces mêmes fausses informations. Cela veut dire que ça s'impacte de nos jours. Et imaginons, si Dieu n'a pas révélé un verset coranique pour la blanchir, ça allait rester dans l'histoire. Ça allait rester dans l'histoire. Oh, Aïcha, même une des femmes de prophètes, elle avait commis cette telle chose. Mais heureusement, c'est Dieu qui a fait le palabre de Aïcha, la mère de croyante. Et puis aujourd'hui, alhamdoulilah, on était sauvés, sinon c'est grave. Okay, donc, si je comprends bien, oui. C'est comme si les rumeurs, oui. La nouvelle appellation, on peut dire c'est ça, aujourd'hui, dans notre temps, oui. Non, ce sont les fake news. C'est les fake news. Voilà. Ce qui veut dire que ça existe, il y a longtemps et que c'est un moyen qui est utilisé pour dénigrer des personnalités. Effectivement. Okay? Voilà. Mais monsieur, dans ce cas-là, son impact dans la vie de Aïcha, qu'est-ce que cela a eu, radiallahu anha? Qu'est-ce que cela a engendré réellement? Voilà. Puisque déjà vous dites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. commença à reculer. Oui. Qu'est-ce que ça crée Mais au ça, niveau d'Aïcha? D'abord, elle ne peut pas faire autre chose. Elle dit que c'est faux. Mais qui va la croire? Vous voyez? Elle se référait seulement à Dieu. Ah, ce que vous dites, si c'est vrai, tant mieux. Mais moi, je me connais. Elle a parlé, même exemple, c'est Younous. Pardon, Youssouf. Je me confie à Dieu. C'est Dieu qui sait. Si je suis coupable ou non. Mais quand il est croyant, même son papa, qui était avec moi, Abaka, mais quand on veut te dire que ta fille a commis tel acte, automatiquement,
Toi, tu n'as pas de preuves sur le champ pour vérifier. Mm-hmm. Donc, ça va te blesser. Voilà pourquoi tellement c'était grave. Ça partait. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a coupé tout qu'il a révélé. Un verset pour dire non, ce sont des rumeurs. Des rumeurs. Voilà, ne tiennent pas compte de ça. Ok, nous en viendrons tout Inch'Allah. À l'heure. Monsieur Chérif, à entendre ce que Oussama Boudraman vient de dire, ça veut dire que ça a un impact considérable dans le milieu où ces fausses informations sont véhiculées. Effectivement. Il faut dire aujourd'hui que les fake news sont devenues une arme politique. Okay. Une arme politique parce que en un temps record, l'information, si l'information part de cette table aujourd'hui, mm-hmm. en un temps record, ça peut arriver aux États-Unis. Ouais. Et une fois ça arrive là-bas, quelqu'un peut envoyer. Donc nous sommes tous de potentiels, on va dire des médias, oui. parce qu'on participe à propager l'information, okay. les fausses informations. Okay. Donc, pour dire que c'est fait pour faire de la propagande, okay. surtout même dans le domaine de la politique, d'accord. en un temps record, ça peut détruire un politicien parce qu'ils okay. font des recherches sur la personne. Et l'information vraie, on ajoute seulement qu'un élément pour ternir son image. Effectivement. Alors, une fois l'image est ternie, c'est toute la carrière politique qui est touché. Qui est touché, voilà. Même, je prends le cas de Aïcha, mais notre mère Aïcha Raja, mais elle était stressée. Très stressée. Elle était stressée. Donc, imagine l'épouse d'un prophète. Elle a commis ce genre. Bon, tu vois, la pression morale, c'est difficile à supporter. Mais il a fallu que Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset pour la blanchir. Mais aujourd'hui, à notre temps aujourd'hui, à leur temps, ça pouvait prendre du temps pour atteindre d'autres comtés. Ouais. Au contraire, mais aujourd'hui, à notre époque, en une minute, en quelques secondes, il suffit que j'appuie sur le bouton, tout le monde entier est informé. Donc, ça a réellement son impact aujourd'hui sur tout le monde, sur tous ceux qui sont exposés, c'est vraiment les célébrités, oui. Des personnes qui sont connues. Voilà, des personnes. Et ils le font dans l'intention de tenir l'image de la personne. Voilà, soit pour avoir quelque chose. Mais si moi, je ne suis rien, mais les fake news, ils n'ont rien à foutre avec moi parce qu'ils n'ont pas d'intérêt avec moi. Ouais. Ou soit il y a un mouvement, il y a des grèves, ou il y a des révoltes. Ils vont y mixer des informations pour plus révolter des personnes, des informations qui ne sont pas vraies, mmh. mais dans l'intention de révolter pour que le mouvement puisse atteindre son objectif. Donc, c'est de se méfier vraiment des fake news. Effectivement. Voilà. À vous attendre tous deux, mmh. fake news ou rumeurs, en tout cas, son impact dans la société est négatif. Est négatif. Ok. Est négatif. Mais comment on doit reconnaître une bonne information? Sur quelle base une bonne information doit être vécue en islam? Alhamdulillah, très belle question. Je me réfère toujours aux Saintes Écritures, précisément le Saint-Coran. La personne est libre. Lui, il veut atteindre son objectif. Ouais. Voilà pourquoi il fait passer ces informations. Toi qui es croyant, alors quelle sera ta réaction? Dès qu'il te donne une information, paf, tu prends en même temps, oh, mais qu'est-ce que tu dois faire? Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 49, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, je cite. « Ya yuha levina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu kawmam bijahalatin fatusibihu ala ma faltum nadmin. » La traduction est la suivante. Il dit « Oh, vous qui croyez, si un injuste vous apporte quelques nouvelles, assurez-vous bien de son attitude afin que vous ne fassiez tort à certaines gens par ignorance et que par la suite, vous n'aviez à regretter de ce que vous avez fait. » Celui qui fait ces informations, il est libre. Mais toi, Dieu s'adresse à toi. Oh, vous qui croyez. Si on vient dire, mais c'est X et ceci. Je prends le cas, monsieur Djabi. Monsieur Djabi dit ceci. Sa femme fait cela. En tant qu'un croyant, Dieu me dit non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois vérifier d'abord. Je dois mener des enquêtes pour savoir
ce qu'on dit de M. Diaby, ou bien ce qu'on dit de sa femme, ou bien ce qu'on dit de telle personne. Si c'est vrai, si je peux me méfier de M. Diaby et sa femme, tant mieux. Si ce n'est pas vrai, voilà, moi je continue. Sinon, en général, on dit, il paraît qu'il est comme ça, il paraît qu'il est ceci. On dit que, et puis moi, en même temps, je rejette M. Diaby. Le Coran me condamne. Si j'y agis ainsi, un jour, je vais rejeter du l'or. Et après quoi, je vais regretter amèrement. Parce que je vais faire du mal à des générations, comme le frère Chérif vient de dire. Puisque c'est déjà parti, c'est à moi de vérifier très bien avant de dire quoi que ce soit. Sinon, alors je vais faire du mal à une nation, à un couple, comme ce que les hypocrites voulaient faire avec Aïcha. C'est pour gâter son foyer. Mais Dieu merci de la sauver. Donc, en tant que croyant, on doit vérifier très bien les informations avant de divulguer. Ok, merci à vous, missionnaire Abdraman. Je vous en prie. Monsieur Chérif, comme le missionnaire vient de le dire, pour vérifier une information, pour accepter une information, il faut d'abord la vérifier. Effectivement. Mais sur quelle base doit-on vérifier une information? Merci, M. Diaby. Aujourd'hui, nous sommes tous exposés quant à la recrudescence de Facebook. Donc, dans un premier temps, quand on reçoit une information, la première chose d'abord, c'est de vérifier la source. La source? C'est de vérifier la source. Est-ce que ça vient d'une source fiable? Est-ce que ça vient d'une chaîne fiable? Est-ce que ça vient d'un logiciel fiable? C'est d'abord de vérifier la source. Okay. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vérifier la date de la publication de la chose. Voilà. On a vu tout récemment dans certains groupes WhatsApp où ils ont partagé des vidéos où le pape était en train de faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà. Donc les gens ont dit oh, c'est fake news, fake news. Rapidement, les gens ont su que ce n'est pas une bonne information. Mais il y a des personnes qui avaient cru. D'autres ont dit attaque-bi. Mais quand même, c'est très facile. Effectivement. Voilà, c'est très facile. Le pape qui va se convertir comme ça. Et puis, voilà. Donc, il faut d'abord vérifier la date. La troisième des choses, il faut utiliser des sites de vérification. Il y a des sites de vérification, je ne sais pas s'il faut les citer. Non. Ou bien ça va, ok, d'accord. Il y a des sites de vérification et il y a des décodes. Les décodes, ce sont des sites liés à des journaux de publication qui vérifient aussi l'information. D'accord. Donc on peut passer par ces méthodes-là. Okay. Il y a aussi des chasseurs de rumeurs. Les chasseurs de rumeurs, ce sont des sites qui permettent de tamiser des informations. Donc, vous pouvez vous renseigner sur ces sites-là. D'accord. Voilà. Donc, ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que, à vous deux, à vous entendre, tous deux, celui qui délibère un fake news a forcément une intention. Une intention. Okay. Façon, oui. Donc, le Coran même a parlé le mot injuste. Okay. C'est-à-dire, cette personne, elle n'est pas animée d'une bonne intention. Effectivement. Okay. Mais comment est-ce que vous conseillerez, M. Abdraman, ces gens de personnes? Alhamdulillah, le conseil que nous avons à donner à ces gens de personnes, voilà. Si la personne, il doit se mettre à la place de la personne dont il est en train de monter de fausses informations. Si on faisait les mêmes à son égard, quelle sera son attitude? Il va aimer ou va pas aimer? Lorsqu'on n'aime pas quelque chose qu'on fasse, lorsqu'on n'aime pas qu'on nous fasse quelque chose, il ne faut pas faire ça non plus pour ton prochain. Ça détruit. Personne aimera qu'on détruise son foyer. Personne aimera qu'on détruise sa religion. Personne aimera qu'on détruise son pays. Si toi-même, tu n'aimes pas qu'on on te détruit, pourquoi tu veux détruire le foyer ou bien le pays de l'autre? C'est vrai. C'est possible, en matière de politique, vous avez des adversaires. La vie ne s'arrête pas là. Voilà. Vous dites ce qui est vrai sur la personne. Vous dites ce qui est mal contre la personne. Voilà. Mais quand, il ne faut pas oublier, quand tu choisis du mal à quelqu'un, il faut t'attendre, toi aussi, attends à ton tour. Donc voici l'islam, ce que l'islam nous dit. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, pas faire ça aussi pour ton prochain. D'accord. À travers les prêches, les missionnaires sensibilisent les membres de la communauté sur la véhiculation de la mauvaise information. Mais qu'est-ce que vous avez à dire aux internautes? Okay, ce que j'ai ajouté, c'est de ne pas aussi prendre au tragique, de ne pas s'alarmer dans tout, parce qu'il y a des sites satiriques qui publient aussi des vidéos humoristiques dans l'intention de faire rire.
Mm-hmm. Voilà, ils peuvent prendre une personnalité célèbre, ils ajoutent des informations juste pour faire rire. Bon, c'est comme c'est une sorte de rumeur, mais c'est juste pour faire rire les gens. Voilà. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce qui est des fake news, aujourd'hui nous sommes tous des médias. Voilà, de manière individuelle, nous sommes tous des médias. Donc des potentiels, ouais, des potentiels okay. médias. Nous sommes tous des potentiels médias. Donc c'est de faire très attention aux informations que nous recevons. Même quand à l'égard de la Djamat, quand on va faire des débats avec le Mola, on nous dit dans un premier temps que la Maya n'est pas vraie. Quand on leur dit de prouver dans le Saint-Courant que la Maya n'est pas vraie, ils disent que non, on m'a dit. Effectivement. Non, on m'a dit. Mais est-ce qu'on m'a dit, on peut fonder une science sur on m'a dit? On ne peut pas fonder une connaissance sur on m'a dit. Donc pour dire que les rumeurs aujourd'hui, de manière indirecte, empêche certaines personnes de savoir la vérité même qu'est la Madia. Parce qu'ils ont déjà l'idée arrêtée. On m'a dit que la Madia n'est pas une bonne chose. Donc ça, c'est une sorte de fake news aussi. Ils ont même un site. Oui, ils ont des sites. Anti-Amadia. Voilà. Voilà. Donc tout ça, ce sont des fake news. Ils font des publications, ils font des écrits juste pour mal parler d'une communauté. Et ces rumeurs-là gagnent aujourd'hui de l'audience auprès des personnes qui ne prennent pas le temps de vérifier les informations, d'aller à la source, de se rendre, ne serait-ce que dans des missions, acheter les livres et lire réellement qu'est-ce qui est dit par rapport à la communauté. Okay. Donc vous voyez que les fake news aujourd'hui sont partout, sont dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du commerce, par rapport au prix qu'on donne, par rapport dans le domaine du sport, si on veut nuire à un footballeur, les hommes politiques, et mais ils sont chaque jour que Dieu fait les fake news, ils sont très exposés, surtout les célébrités. Donc, c'est de faire très attention. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on peut s'échapper. Voilà. Le monde a atteint un niveau aujourd'hui où il est difficile de lutter contre ces choses, mais il faudrait que chacun soit très vigilant. Voilà. Et il faut répandre aussi l'éducation pour que ces gens démissionnent, pour que les gens sachent qu'ils ont l'information. En tant que responsable d'une structure, pour ne pas d'une entité au sein de la communauté, est-ce que vous organisez des séances pour sensibiliser la jeunesse sur ces fêtes? Effectivement, nous avons des séances pour sensibiliser nos jeunes gens. Même présentement, là où je te parle, il y a une formation de Tabia Class à Abidjan, où nous sommes en train de former des enfants. Et dans ces formations-là, nous allons aborder la question des réseaux sociaux, la question de l'informatique. Au niveau des coups d'âme aussi, nous avons des échimas nationaux que nous organisons, des questions qui relèvent de l'actualité, telles que fake news, l'informatique, les réseaux sociaux, comment se comporter sur les réseaux sociaux, comment se positionner sur les réseaux sociaux. Ces informations-là sont traitées aujourd'hui à travers nos rencontres, nos conventions, dans l'intention d'éduquer la masse, pour ne pas qu'un Amadi tombe dans ses erreurs. D'accord. C'est vrai, quand un Amadi, c'est un homme complet, c'est quelqu'un qui a ses deux pieds dans le monde, qui sait ce qu'il fait qui sait où il est. Okay. Donc, nous sommes tous appelés à être vigilants. Okay. Voilà. Mais c'est bien, un usage sage de l'outil informatique. Alhamdulillah, avant de répondre à cette question, je voulais... Par rapport à ce que le frère Chérif vient de dire, il y a certaines personnes qui donnent des informations juste pour nous faire rire. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même dans le 54, il faut de la vérité. Oui. Hein? Souvent, les parents font des blagues avec les enfants, mais il faut de la vérité. Mais quand quelqu'un a pu envoyer le soleil à son enfant, est-ce que c'est une logique? Non. C'est dommage, ça ne peut pas se faire. Donc, même dans l'amusement, on peut dire la vérité pour nous faire rire. Mais quand on laisse, on peut avoir les informations fiables, on laisse ça, on va se cantonner sur ce on. Où tu vas avoir les informations fiables? Et c'est le même chose que le frère Chérif vient de dire. Le prophète nous a mis en garde contre ça. Daoukila wakala. Laissez, on dit, toi-même tu dis quoi? À travers nos livres, nos documents, la porte de la Madia est grandement ouverte. Ne nous disons pas que taper. Qui cherche, trouve. Et tapez, on va ouvrir. Venez taper à la porte de la Madia. Vous allez trouver la Madia, ce qu'il va dire. Quand notre porte là, c'est l'amour pour tous, la haine pour personne. Tout le monde est invité pour venir vérifier les informations. Si vous avez eu des informations à la source, alhamdoulilah, voilà une manière, il faut vérifier. Mais quand vous allez prendre la parole des autres, on va vous vérifier. Qu'on dit, c'est on qui a dit. Où tu vas sortir avec la vérité? Venez vers la Madia, demandez la Madia lui-même. La Madia, toi-même, tu es quoi? C'est que la Madia me va dire là.
En tout cas, si tu vas avoir les preuves palpables, si nous sommes musulmans ou pas, c'est à travers ça. Maintenant, je reviens maintenant par rapport à votre question. D'accord. Voilà, vous avez, vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Est-ce voilà, vous avez dit que l'Ahmadiyya, c'est une structure bien posée. Ok. Est-ce qu'il y a une mise en garde concernant l'usage sain des réseaux sociaux? Chaque vendredi, ou bien chaque semaine, Khalifa nous interpelle. Comment on doit transmettre le message? S'il y a des mauvaises informations, comment on doit les éviter? Donc, voici la base. Pourquoi l'Ahmadiyya est en train de progresser? Parce que nous avions un guide. Grâce aux enseignements, à les informations que Khalifa nous donne. Si nous, chaque Ahmadiyya suit ça, alhamdoulilah. Voilà pourquoi on a la même vision. Que tu sois alhamdoulilah, aujourd'hui, l'Ahmadiyya se trouve dans 213 pays du monde. Donc, tous les Ahmadis qui sont là-bas, on a la même vision, même langage. Oui. Voilà. Si nous disons un aujourd'hui, c'est possible que la personne qui est en face de toi, il n'a pas éloquent, il ne sait pas s'exprimer. Mais ce qu'il entend te dire là, sache que ton frère, son frère, que l'autre côté, c'est le même. C'est grâce à quoi? Grâce au calife que nous avions dans cette communauté-là. Effectivement. Voilà. Donc à travers ça, jamais, grâce à Dieu, on ne peut pas dire des langages différents. Comme mot de fin, j'invite toute la population, ces personnes qui nous regardent, je leur dis de chaque fois qu'ils reçoivent une information, comme le missionnaire l'a dit, dans un premier temps, il faut aller à la source. Il faut chercher à voir la source et comment l'information est publiée, ça compte aussi. Sinon, aujourd'hui, nous sommes tous exposés aux fake news. Si vous ne faites pas attention, vous ne partez pas à la source pour vérifier l'information, vous ferez partie de ces personnes qui vont publier de fausses informations. Voilà. Même si vous ne faites pas sur les réseaux sociaux, mais le simple fait de dire à un ami, ah, j'ai entendu cela, on m'a dit, vous participez aussi à la publication de fausses informations. Tout à fait. Donc c'est de vraiment aller à la source, d'aller à la source et vérifier chaque information. Même si vous n'avez pas les moyens aussi, les moyens informatiques d'aller à la source, mais en tant qu'un individu, quand tu reçois une information, il faut te ressaisir d'abord. D'accord. Il faut te ressaisir et il faut attendre à ce que des personnes crédibles viennent attester ce qu'on t'a dit comme information. Il ne faut pas être le premier à donner, ou soit il faut demander conseil auprès des sachants. Okay. Voilà, va merci te renseigner auprès des sachants. Bien merci. Alors, merci à vous d'avoir préparé l'élaboration de ce sujet. Chers invités, fake news, c'est la mauvaise information, la fausse information délibérée volontairement par une personne qui a une intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman est celui dont les mains et la langue épargnent de ses méfaits les autres. Sur ce, assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa anahera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu